l'organisation. Oui, après. C'est le boulot, c'est le boulot. Le même coup. Ça a commencé. Vous envoyez un malade ici. Ah, vous avez la trop durée, c'est 3 jours. Oh, comment? Dis amen. Amen. Trop durée, c'est 3 jours. Trop durée, c'est 3 jours. Oh, comment? Vous envoyez des séries de témoignages. Ça va continuer comme ça par la grâce de Dieu. Caroco, là. C'est pas délocalisé. Parce qu'une fois la télévision, il y a le prophète a quitté Zaroko. On a créé le cabinet. Avec tout le monde. Voilà, c'est Digo. Parce qu'on a là-bas les ténèbres. On a là-bas tout le monde, mais je suis le jardin. Ça me permet de travailler, c'est pas loin de ma maison. Mais Zaroko ici, c'est un centre de délivrance. Amen. Amen. Quand je laisse le chargé de communication parler, mais en même temps, je dis aux gens de Gogo, il a d'abord. Sera respecté. Il est SRO. Voilà, je vous dis que la dame sera respectée. J'envoyais un texto prenant des jeux. Et officiellement, aujourd'hui, la date sera respectée. Nous avons commencé une organisation. Si on parle des dates, nous allons tout respecter. Amen. Le vendredi prochain, soyez encore la veillée. Nous allons préparer votre programme. C'est très bientôt, vous connaissez bien la date. Aïe, aïe, aïe. C'est nous pour la dénonciation. Vous voyez, vous amenez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque. Quand vous m'avez dit quoi, pourquoi m'avez-vous dit quoi? Je m'avais en croisade. Amen. Je suis venu pour la paix croisade. Amen. Amen. Pourquoi vous faites partie de la Côte d'Ivoire? Pourquoi vous faites l'amour? Amen. Voilà, donc il laisse le chargé de communication parler. Je vais prendre la parole. Alléluia. Amen. Si vous avez bien remarqué, le ministère de la compassion des âmes en pleine structuration. Je suis fait, on demande au groupe de votre attention surtout le soutien financier pour faire face à certaines choses. Oui, mais, oui, oui. Parce que si vous avez bien remarqué, vous êtes arrivé, vous remarquez qu'il y a manque de chaises, tout et tout. Nous voulons mieux organiser pour que vous soyez mieux accueillis la prochaine fois. Voilà, carrément, nous. C'est carrément. Et puis en profiter pour lancer, mettre une cellule en place. On va commencer par une phase pilote. On va commencer par qu'on appelle la région d'Abidjan. Les ressortissants d'Abidjan. On va s'organiser. À chaque fois que le prophète ira à Abidjan, créer une rencontre pour qu'on puisse avoir au moins une salle élevée pour qu'on puisse prier avec les familles, surtout avec les familles. Nous sommes confrontés aussi à plusieurs choses. Il y a le loyer, la connexion internet, tout. Donc, on veut mettre une cellule pour que vous puissiez nous aider efficacement, nous épauler un peu aux charges. Donc nous avons mis en place comme ça une fiche d'engagement pour ceux qui seront intéressés. Je vais leur donner la fiche pour moi sans dire. Je vais mieux les expliquer sur le contenu de ce document qui va les engager auprès du ministère. Merci. Ok, je vais revenir encore sur l'annonce. En fait, nous avons des charges. Et nos charges montent jusqu'à 1 400 000 francs. Et bien, le mois. Voilà, 1 400 55 000. Ça dit qu'on a le salaire de tout cela. Si on veut parler même du centre de l'autre côté, ça fait déjà 150 000 francs. Il y a mon loyer, il y a l'internet, il y a tout. Jusqu'à ici. Ces charges-là. Jusqu'à tout, ça fait 1 455 000 francs. Donc avec le service, avec tout le monde, on essaie de réfléchir à voir ceux qui peuvent soutenir le ministère. Et qui est à Abidjan, par exemple, je suis constamment là-bas. Vous allez prendre des engagements. Vous dirigez ça. On est nous. Dans la fiche. Je vais revenir là-dessus là. Je vais avoir l'occasion de parler avec vous. Vous mettez vos noms. Au mine montant, pas moi. Ici, c'est pas moi. Le contact. Et engagement. Vous savez, pour que les mois déjà puissent verser quelque chose pour soutenir le ministère. Et si vous êtes à Abidjan,
Nous allons arranger l'état sur que quand je suis de passage à Abidjan, je puisse rendre visite à cette famille. Parce que chez nous aussi, c'est le suivi. On a commencé à comprendre qu'il faut suivre les personnes. Donc ceux qui viennent d'Italie, ceux qui viennent de la France, après leur départ, un mois après, nous allons les appeler pour voir ce qui se passe dans leur vie. S'il n'y a pas eu d'amélioration, on va se poser les questions pourquoi il n'y a pas eu. Et continuer de prier pour vous. Quand vous nous fréquentez désormais, nous devons prier pour vous. Parce que de lundi et mardi, nous avons une cellule d'intercession à sec. Nous ne mangeons pas lundi et mardi. Donc pour ces personnes-là qui ont intercédé. Donc aidez-nous à faire avancer l'œuvre de Dieu. À le soutien. Il aura l'occasion de parler de ça. Ceux qui veulent, vous aurez les papiers d'engagement, vous allez signer. Et ça fait 10 000 francs par mois. 10 000 francs par exemple. 10 personnes, ça fait déjà 100 000 francs, c'est bon. 10 personnes, ça fait déjà 10 000 francs. 100 000. S'il y en a 20, ça fait 200 000. Chaque mois, ça rentre. Ça va nous permettre d'amortir les charges. On a toujours besoin des moyens. Si Dieu te met à cœur de payer par mois le loyer, gloire à Dieu. Il y a tellement de choses. C'est-à-dire que nous devons plus avoir problème d'argent dans nos têtes. Nous devons nous consacrer au ministère. Et quand c'est comme ça, c'est rapide. Mais quand tu penses que le doulaquet doit venir t'encaisser, souvent tu n'es pas en paix dans la tête. Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Vous devez vraiment soutenir ce ministère qui apporte beaucoup. Beaucoup de choses. Nous avons laissé Abidjan. Nous sommes dans les villages.